Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12 mai et c'est mon premier jour sans concours. Il est actuellement 9h17 et là, la dernière personne qui va travailler part. C'est Marine. Allô? Elle est trop busy pour moi, alors elle va partir. Bye. Ah, Ah oui, bye. j'arrive. Ok, je suis toute seule maintenant. Ok, donc là, le programme de la journée, je vais voir Lucie. Non, d'abord, je vais faire du sport là. Après, je vais m'enlever les cheveux. Et après, je vais voir Lucie pour manger. Allez, bye. À tout à l'heure. Qui vient de se terminer, il est actuellement 9h59. Je vais prendre une douche et je vais m'habiller. Oh, il fait trop beau! Mais la météo dit qu'il va pleuvoir, donc voilà. Mais bon, pour l'instant, il fait beau! Ouais! Alors, Lucie vient de me dire qu'elle allait être en retard et du coup, j'ai été trop tranquille et je crois que maintenant c'est moi qui vais finir par être en retard. Du coup, il est 11h51, on avait rendez-vous à midi, elle était placée à midi et quart. Et ça me prend une demi-heure pour y aller, donc on fait le petit calcul, je vais sûrement être en retard, mais c'est pas grave. Alors finalement, c'est pas moi qui suis en retard, c'est Lucie. Elle est pas, ça va là? Elle est belle! T'as mis ton lipstick NYX? Oui. Elle est belle, Lucie! C'est Margot qui est belle! Ah, j'ai trop chaud là par contre. Bah oui, mais il fallait regarder la météo avant. T'as 5 minutes de retard. 5 minutes de retard. J'allais dire genre beaucoup, en cours, mais... j'avais 10 minutes de toi. Elle a de retard ouais. aussi. Non, mais... Ah, mais elle se trouve même les lunettes. Hein. Elle a une lunette de soleil, mais elle a le manteau aussi. Le manteau d'hiver. Grave. Je sens comment la chaleur. Non, en fait, je pensais qu'elle avait tout là. Là, elle met ma chaleur en dessous. C'est pas grave. Le camion qui fume. Ouais. Alors, on n'a jamais eu l'occasion de le tester en food truck. Malgré plusieurs heures d'attente à la BNF. Voilà. Ouais, moi aussi, ici? Non. T'inquiète, genre. Nous venons de monter en haut. Voilà la petite déco. Et vas-y, alors là, j'ai cru que c'était très très confortable en fait, mais vas-y, assieds-toi ici pour moi. Faut tester le moelleux. Comme Margot, parce que Margot, elle a sauté sur le côté. Le choc. C'est dur comme de la bière, c'est quoi. C'est trop dur, ouais. C'est trop dur. J'ai cru que ça allait être mou et tout. Oh non. Oh non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Si qui est experte du ménage, dit que les tables collent. Oui, alors ouais, on voit très bien les traces de doigts. Voilà, en fait, c'est la matière de la table qui est comme ça en fait. C'est genre comme ça à la base. Ah bah ça ne m'inspire pas trop confiance. Ah bah dis donc, là, mauvais point hein, déjà. Hein. Alors on a pris des sauces. Alors les sauces. Regardez comment elles sont trop belles. Ça c'est mayo, et mince, j'ai oublié. Ça c'est bacon. Mayo. Ça c'est smoky bacon et ça c'est aioli. 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 Yeah. C'est. Parce que je le vois bien. L'arrivée de Lucie. The food is here. I'm leaving. Leaving again. Oh yes. Moi j'ai
pris un cheeseburger. Yeah, classique, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et voilà, on voit le fromage. Oh mon dieu, oh mon dieu. Il a l'air tout beau. Attends, vas-y. Du coup? Eh, hey, mais j'ai demandé un iced tea. Mais ça, un iced tea? C'est un Nesty. Mais on s'en fout. Ça a pas le même goût. Mais Nesty, c'est meilleur, non? Ça s'appelle pas, on préférait ça au Canada. Ouais, mais pas de la pêche. Citron, ah, il est meilleur. Remboursé. Grave. Mais c'est pas ici. Mais ici, c'est genre comme, mensongère. C'est comme Coffee, genre c'est pas la marque, je crois qu'ils avaient dit. Vous voulez dire. Allez, non. 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 Ah, mais c'est joli quand même, les deux. Ne trouves-tu pas? Il y a le ceiling. Le ceiling. Yeah. Le plafond, quoi. Ouais, ça va, ça me rappelle mon école primaire. Ah bon? L'école primaire de Lucie était. Voilà. Elle est installée. Non, ah, ici, voilà. J'ai pris un classique burger. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Je vous dirai ce qu'il y a dedans après. Donc ça a l'air trop net. J'ai envie d'avoir la dégustation parce que je suis mal à l'aise. Dégustation de Lucie. Attends, je vais pas poster mon stop encore. Oh, bah ok, d'accord, c'est bon, la meuf. Hein, on voit les priorités. Hein. Bah oui, of course. Snap, of course. Ok, allez, c'est parti. Oh non, mais je vais dégueulasser mon rouge à lèvres. Bah, en même temps, pourquoi t'as mis du lipstick alors qu'on est. Ah, je sais pas. Hein, j'avais envie, je l'ai acheté hier et voilà. Voilà. Par contre, mon croc, il va être un peu vide le premier. Genre. Attends, pas plus fort parce qu'il y a la musique. Le croc, le premier, ouais, va être un peu vide. Ouais, enfin, alors, vide ça de viande. Ou alors, décale le burger. Le burger. La viande. Comment on fait? Ah, bah voilà, j'ai sorti un peu. Go ahead. Just do it! Quel côté je mange? C'est un peu trop près? Tu as l'air perplexe. Pas convaincu. Il est bon? Oui. Mais le goût il est pas oufissime, genre. Genre, c'est quoi le meilleur burger que t'as goûté à Paris? Le goût il est super léger. Je dirais. Je vais goûter les frites. Five Guys. Ah, Five Guys, c'est vraiment super bon. T'es allé quand? Je suis allée plusieurs fois au début vers l'ouverture un peu. Oh my god, moi faut que j'y aille aussi. Il y a du monde maintenant? Non, il y a beaucoup moins de monde maintenant. Ah, faut que j'y aille. Surtout qu'il y a deux Five Guys sur Paris maintenant. Les frites, elles sont grave homemade en fait. Hein. Ouais. Alors, ça j'ai goûté Aioli, ça j'ai. Ok. À mon tour. Voilà. On a goûté, ça c'est le classique. Je crois qu'il y a genre. Bah, tout ce que tu vas trouver dans un classique burger, quoi. Mais je vais sur le meilleur. Oh my god, mais moi aussi, regarde. Genre là, tout ça, il y a pas. Il y a genre que du pain, moi. Que du pain. Oh là là. Genre le steak de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Comment. Non, mais attends, c'est comment le steak qui est caché là? Je vais manger que des légumes là. J'avais pas eu le steak. Oh, c'est bien les légumes. Bon, mais j'ai pas billet pour un vegan. Ah, la version vegan, j'ai vu qu'ils mettaient des champignons à la place du steak. Ah, bah. Ouais. On va vraiment goûter la viande là. Bon, on va essayer. Ah, oh my god, l'oignon il est trop fort. C'est des oignons frais, quoi. Alors, ah, on est pas. Ouais, c'est pas ouf. C'est bon, mais c'est pas ouf. Ouais, voilà. Genre, le goût il est vachement léger, je trouve, en fait. Ouais, je m'attendais à un truc. Genre, moi, je peux le faire chez moi, genre. Ouais. Genre, en fait, on dirait qu'ils ont pas mis de sel ou quoi, ouais. Ouais, c'est ça, genre, il y a rien de spécial, en fait. Ouais. Bon, voilà. Oh, déception là. Ouais. T'as goûté beaucoup des frites. Ah. Ah. Je prends le Netflix. Mayo. Ah, les frites, elles sont bonnes. Ouais, c'est meilleur que le burger. Ouais, ils ont plus quelque chose de spécial. Nous venons de terminer de manger et actuellement il pleut beaucoup. C'était pas très bon, hein. C'était pas ouf. Alors, vas-y, attends, on sort d'abord. On va faire plusieurs catégories. Ouais. On va faire l'ambiance et l'ambiance et le plat. Le plat et rapport qualité-prix, ok. Ambiance, bon, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, mais il y avait de la fumée partout. Hein. Ouais. Je sais pas si c'était dans le concept du camion qui fume, hein. Je dis. Sur 10. 7,5 sur 10. 7,5 sur 10, ok. Ouais. Et par rapport aux tables et tout
Enfin, ambiance, ça prend ça en compte en vrai. Genre, ça prend aussi bah, là, les meubles. Ah bah ouais, non, là, je mets 7 alors. 7 alors, ok. Moi, je dirais 7 aussi. Parce que bon, en vrai, genre, c'était pas mal décoré. Ah ouais? Ah cool. Ah non, il y a des petites gouttes quand même. Non, mais c'est parce que t'es en dessous de la. Ah oui. À la bolo. Qualité de la nourriture. Alors, qualité des nourritures. 6. Qualité juste que les gens, si on te disait pas le prix et que tu manges voilà, sans rien, bah je mettrais un 6. 6 parce que les frites elles étaient bonnes, mais par contre le burger était archi décevant. En fait, j'ai trouvé que les frites elles étaient pas si bonnes que ça en vrai. Ah ouais? Genre elles étaient pas. Enfin, en fait, elles étaient pas assez croquantes. Après, ouais, j'ai un peu trop huileuses, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, il y avait beaucoup le goût d'huile. Ouais, voilà. Genre. Ouais, et même quand tu croques et tu sens le petit jus d'huile un ouais, peu. Ouais, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Donc du coup moi je ne remange plus voilà. Jamais alors non désolé on va manger Five Guys la prochaine fois. Ouais, Five Guys, on va goûter café Five Guys. Alors moi je dirais donc pour la nourriture t'as donné combien? 6. Non, bah je vais mettre 5 hein, 5 et demi alors. Parce que c'est vrai que quand j'ai réfléchi 5. Ouais voilà, tu vois. L'huile là, c'était très désagréable. Ouais, c'est ça. Et puis en plus à la fin, il nous restait trop de frites donc on devait manger que ça et c'était écœurant. Ouais. Genre on l'a pas terminé, tu vois. Les frites déjà, elles sont grasses, mais en plus nous deux on a tendance à manger les frites avec de la mayo, donc en fait ça fait ouais, double. Et du coup, c'est double ça, gras, ça faisait double gras, ouais. T'as raison, bonne remarque. Et du coup, rapport qualité-prix 3. Ouais, vraiment. C'est vraiment parce que c'était. Attends, c'était 14 euros, non? Moi c'était. 13 elle c'était. Euros. Ouais, 13,90 toi. Moi ouais, c'était 2,50. Euros, quoi, 14 euros. J'ai quand même bien mangé, mais franchement, je suis désolée pour. Non, mais ouais, ça c'est sûr, on avait plus faim à la fin. Mais est-ce que c'était parce que c'était pas bon ou est-ce que c'était parce que t'avais vraiment juste plus bourratif. Ouais, c'était bourratif, ouais, c'est ça. Et la viande, elle était pas assez cuite, je trouve. Ouais, j'avais l'impression que c'était du saignant. Ouais, lieu, trop au saignant. Au lieu d'un truc à ouais. point. Ouais, voilà. Et donc, du coup, rapport qualité-prix aussi, il est pas terrible. Ouais. Bref, c'est la grosse déception, voilà. Donc voilà, on se calculerait la moyenne, voilà, c'est pas ouf. Au moins, il y avait un bon décor. Mais là, du coup, on va où? Ah bah, on prend là. On va où? Bah, on prend la ligne 3, on va à Arts et Métiers et on va goûter des desserts asiatiques. On va prendre asiatiques. Un petit dessert. Voilà. Ouais. Allez, c'est parti. D'accord. Pour Marine, on va la surprendre parce qu'elle est amenée à 12h30. Elle va être très contente. Vous allez voir. En fait, on a eu l'idée pour Marine. On a eu l'idée pour Marine de lui prendre un truc dégueulasse et elle va être forcée de le boire. Parce que ça sera un cadeau qu'on leur a fait. Voilà. Non, on va lui prendre un truc dégueulasse ou pas? Non, un truc potable. Ah, elle est gentille, Lucie. Ils sont trop gentils, voilà. Oh my god! I go to the. Yeah, I'm not. Oh, like, oh, like, oh, like,
C'est l'image d'affiche. Ah mais c'est vraiment ça en fait. Cool. La ville tapioca. Totem is Totem Park. And they're like, yeah. On a nos bubble tea et le soleil est revenu. Vraiment, on ne pouvait pas être plus heureuse. Hein. Voilà. Yes. So aesthetically pleasing. Yes. Voilà. Yes. Yes. Oh, mais c'est trop beau. Trop beau. Où est le toilette? Tiens, prends-le. Marine. C'est bon. J'ai pris citron, citron et miel. C'est trop acide. Super acide. Ah ouais. Tu peux goûter. Ouais, goûte. En fait, les deux. T'as vu, t'as été hitée par l'acidité. Ah non, faut plus. Hitée. Fais la revue. As expected. C'est bon. Oh le fuck. Là ça va. C'est un peu un goût poudreux. C'est à qui la contrefaçon Apple C'est à moi. Contrefaçon. Non c'est un vrai Mac hein. Acer. Tu vois Acer Chrome. Un vrai Apple genre ça se sponsorise partout. Attends. Le goût de machin il est super fort. Même il y a trop ouais, de la poudre. Ça ouais. Pas ouais, été bien dissous. C'est pas très dissous ouais. Oh. Attends. T'es à la rose. Arrête, tu m'as fait des pommes. Ah, excuse-moi. Parce que l'humidité, elle est mieux. Ça va avec ton lipstick. Ah ouais. J'aime trop. T'aimes bien? Ouais, c'est léger et c'est sucré. T'as déjà goûté à la rose? Ouais. Mais c'est trop beau. Esthétiquement, c'est trop pleasing. Ça va avec mon portable, là. Ouais, de ouf. Mais c'est pas celui d'habitude. Non. Tu trouves pas que c'est un goût de milk tea normal? Non, il y a un peu de rose dans le fond. Arrête. C'est des milk tea. Vas-y, hein, bah, un mec, il a mis du colorant rose, je crois, le mec. Hein. Bon, du coup, il est 15h11 et je vais faire une sieste, je crois. Ouais, moi je vais rentrer prendre ma douche et après je vais sortir. On s'en fout. Vas-y. Ok. Merci. Je rigole. Mon front, j'ai l'impression qu'il est trop grand. En plus, avec la prépa, j'ai une calvitie. Ouais. Arrête. Non, en plus, c'est vraiment la vérité. Même c'est vraiment la vérité. Céline, elle m'a dit. Non, mais c'est vrai, meuf. Hein. Non, mais je sais. Non, mais meuf, là, ça va mais pas. Mais c'est bon, ça va revenir. Je suis attaquée, là. Et c'est comment? Tu veux, je vais devenir comme Jacques. Non mais je pense que ça va revenir après la prépa, quand j'aurai moins de stress. Ne crois-tu pas? Oui. Espérons-le. Au revoir tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo.